monde il dit qu'on est des grosses teubées et tout, t'as capté, mais c'est dinguerie en fait, pas du tout. Nous on a choisi la meilleure vie, on a la famille, on a l'argent, on a la villa, et en plus on habite à Dubaï, tu vois, t'as capté, du coup on paye pas d'impôts, c'est dinguerie. Moi le pays que je déteste le plus au monde, c'est la France, vraiment. Par contre, il y a un truc qu'on a gardé, ça c'est cool, c'est la sécurité sociale. Comme ça, si vraiment on est malade, on va en France, on se fait guérir et puis après on repart à Dubaï et basta. Hello baby. Hello baby. Your téléphone. Your téléphone. Nous on essaie d'inculquer le langage bilingue à Chicago, comme ça elle pourra toutes parler les langues quoi. You do want telephone me? My little biscuit. Toutes les langues, de toute façon il y a quoi? Il y a trois langues. Non, moins espagnol, cinq. Espagnol, français, c'est... anglais. Tonight we are dead with daddy. Dead. En vrai, elle parle super bien anglais déjà. Hein. Elle parle pas. Comment ça fait trop du yin de voir Silvio, mon meilleur poteau là. Je sais que Blues elle aime pas trop parce qu'elle dit que c'est un profiteur, mais franchement c'est faux. Hein. Le mec, ça fait des années que je le connais. Enfin non, ça fait pas des années, t'as capté. Mais c'est depuis qu'on a acheté cette villa, je le connais. À chaque fois il est là, tu vois. À chaque fois il est à la villa. Ça le dérange pas de partir en vacances avec nous. Franchement c'est un vrai quoi, t'as capté. En fait, je sais pas si t'as capté, mais je me suis racheté une nouvelle voiture là. Mais t'as le permis toi maintenant? Bah non, et alors? Bah ça sert à quoi? Bah, c'est une déco de jardin. Ah ok, tu viens voir la piscine. Chérie, t'as capté, il y a Silvio là, il est là. Silvio, ça va? Comment ça va? Et le bébé, comment il va? Attention, j'adore. Il va à la piscine? Non, on va là-bas. Alors, demain, c'est le grand jour. Grand jour de quoi? Bah, c'est l'anniversaire de Chicago. Chicago? Chicago, le... Chicago? Chicago, le petit personnage. Ah ça? Oui. Ah. Ah ouais. Ah oui. Non mais ouais, ouais. On va faire la fête à la piscine. En tout cas, t'as capté, ça va être une dinguerie, tu sais, on a tout préparé, on est au top là, t'inquiète, l'anniversaire il va être fou. Ouais, c'est fou. Ça va être incroyable. Non mais je m'en branle, moi je veux tout ça pour demain, t'as capté? C'est l'anniversaire de ma fille, elle va avoir 4 mois et demi, tu crois quoi? Moi je passe pas à côté de ça, t'as compris? Je suis pas une mère indigne. Alors moi je veux des ballons, je veux des sifflets, je veux plein de trucs d'enfants, je sais pas, moi je connais pas les enfants, tu me trouves des trucs d'enfants, tu me trouves tout ça pour demain, sinon c'est quoi? Je travaille avec quelqu'un d'autre. Quoi, je te préviens en dernier moment, j'avais pas de prévenir genre 3 semaines à l'avance, comment j'aurais pu savoir si c'était son anniversaire? J'avais pas que c'était son anniversaire, je viens de l'apprendre. Comment j'aurais pu savoir? Moi je suis pas le dieu de l'anniversaire. Je veux pas travailler, c'est pas grave, je vais voir ailleurs. À Dubaï, il y en a plein des mecs comme toi, d'accord? Donc bye bye. Arrivederci et basta. Faut que je me détende. Faut que je me détende. Je pète un câble. Je pète un câble. Dick. Tu vas lui en parler ou pas alors? Parler de quoi? De ce qui s'est passé entre nous. Que nous, qu'on a couché ensemble? Bah oui. T'es fou toi, t'as capté, je vais pas lui dire, c'est une dinguerie ce truc là. C'est dommage, c'est dommage. T'es fou toi, je vais pas réduire ma famille en cendres juste pour lui annoncer entre nous deux que je t'aime et tout ça. Votre relation, j'ai l'impression qu'elle est vide. Et tu sais, moi je dis toujours, une relation c'est comme une piscine, faut qu'elle soit bien remplie, sinon on se casse la gueule. Hein? Hein? Ouais, faut que tu sois honnête. Mais je vais pas être honnête, je vais pas niquer toute ma famille et tout juste pour toi, pour lui dire ah ouais, j'ai couché avec lui parce que je l'aime, on s'envoie des lettres en secret et tout, t'es malade toi, t'as capté? Tu m'envoies des lettres. Très joli, mais. Moi, tu sais bien que c'est de la baisse sans sentiment. Faut que tu comprennes, Silvio, c'est dur comme relation, tu vois. C'est je t'aime, je l'aime elle, c'est tout, c'est compliqué, tu vois. T'aimes tout le monde, t'as un grand cœur. Silvio, je t'ai pas demandé, tu as un truc à boire ou plate ou gazeuse? Gazeuse. J'ai pas. Au plate alors. J'ai pas, du coup, ce sera coca. En vrai, je vois bien Blues, elle doute toujours de ma sincérité envers leur amitié, mais en vrai, moi, je suis sincère de ouf. Je veux dire, je les connais par cœur, les deux loustiques. Genre, il y en a un, lui, il adore la console, et elle, elle aime le rose. J'imagine. Putain! Oh putain, l'enculé. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est le gaspillage alimentaire. Sylvia, t'es où? Vraiment, ça, c'est la pire des choses au monde. Je joue dans la piscine. C'est la piscine et je joue derrière. Sylvia! T'es sérieux? T'as pas fini ton coca? Hein? Moi, je te sers un coca. Mais toi, tu le finis pas. Mais tu t'es cru où? Non, mais attends, tu vas pas me prendre la tête pour du coca alors que moi je suis dans la piscine, oh. On est où là? À Coca-Land? Moi j'en ai rien à foutre, t'embrouilles pour ce que je veux. T'as pensé aux petits Africains? Les petits Africains qui ont rien à manger, qui sont tout maigres. Et ben ils aimeraient bien manger ton coca. Mais c'est pas bon le coca, ils préfèrent avoir une piscine, crois-moi. Le coca c'est trop bon, d'accord? Le coca c'est excellent. Eh, c'est faux, y'a pas plein de sucre dedans, c'est très bon. Qu'est-ce que tu insinues là? Que je suis ami avec vous pour la piscine? Moi je m'en fous de la piscine, hein. Ah ouais? J'aime parce que j'adore vous voir en vrai, hein. Ah ouais? Donc maintenant, c'est soit tu finis ton coca, soit tu sors de la piscine. Les gens, ils ont l'air de dire que ma vie, c'est facile, que c'est tout simple, etc. Mais moi, tous les jours, je bosse, en fait. Moi, je trime à la tâche.
fais des placements de produits. Et si c'est mal fait, faut que je recommence. Ça me prend peut-être 2 heures par jour. J'en peux plus, ma tête, elle est comme ça. Coucou la team. Voilà, il est 14h, c'est l'heure du placement de produits, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a reçu des parfums spécial bébé de la marque Poco Rabanne. Voilà, on va vous les présenter. Chérie, est-ce que tu peux dire ce qu'il y a dedans ? Ouais, alors, je sais qu'il y a 10% d'alcool d'aloe vera et après, il y a un petit peu de béton. Mais franchement, ça n'a aucun risque pour les bébés parce que ça a été testé sur les animaux. Voilà. Vous avez moins 10%, si je dis pas de bêtises, si vous achetez, je crois, 10 parfums. Ouais. Et si vous en achetez 12, vous avez 2 parfums offerts, donc vous en avez 14 au lieu de 12. Voilà. Ouais, c'est ça. Gros bisous tout le monde. On gros vous bisous. Aime. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Pitou, poutou, bébé. Bisous, bisous. Ciao. Putain. Je suis crevée, vraiment je suis crevée, genre exténuée, tu vois. Pareil, j'ai pareil. Trop bossé cette semaine, vraiment, heureusement qu'on fait pas ça le week-end. Oh, non mais attends, ça va pas, t'as capté, on va pas bosser le week-end, oh, ça va, c'est bon, pas. Là, c'est crevé là. Ça aurait été une dinguerie, vraiment. Oh, été... Je vais reposer un peu, je vais me reposer un ouais, peu. Ouais, vas-y, moi je vais coucher la petite. Allez, ouais. Au lit. Franchement, t'as capté, ça fait trop de la peine de voir Blues fatigué comme ça à cause du taf et tout. Limite, parfois j'ai envie de lui dire, mais change de travail quoi, deviens chirurgien, ce sera plus simple. Franchement, ce sera moins de stress, t'as capté. Là, je vais dans la salle de bain pour donner le bain à Chicago dans le jacuzzi et je vois quoi ? Il y a encore la fuite d'eau. Oh, oh putain, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Putain. Elle a pas réparé la fuite, cette connasse. Je fais quoi? Mais la femme de ménage, elle a pas fait ce que je lui ai demandé. Mais elle sait pas qui je suis, moi. Je vais sortir de mes gonds, en fait. Femme de ménage. Femme de ménage. Viens là. Je m'appelle Cassiopée, madame. Femme de ménage, je vais te péter la gueule, tu viens là. Bouge ton cul, viens là. C'est quoi, ça? Tu te rends compte que j'ai glissé? Que j'aurais pu faire tomber le bébé? Ou pire, j'aurais pu me faire mal à moi? Mais t'es inconsciente ou quoi? T'as quoi dans la tête? T'as quoi dans la tête? Et t'excuses pas, ça m'énerve! Viens avec moi. Bah voilà! T'avais qu'à la nettoyer! T'avais qu'à la nettoyer! Alors? Qu'est-ce qu'il y a? La connasse là, elle a même pas réparé la fuite et elle a même pas nettoyé l'eau qu'il y avait par terre! Tu te rends compte ou pas? Ah ouais, c'est une dinguerie, ouais. C'est une dinguerie ou pas? On est d'accord? C'est une dinguerie, c'est une pote celle-là. Elle veut ma mort ou quoi? Elle veut que je la bute ou quoi? Ah ouais, ouais. Je vais la buter, Alain. Retiens-moi, je te jure, je vais la buter. Vas-y, bah fais ça. Hein. En plus, on te paye à rien foutre. On t'offre le logement gratuit. Et toi, tu fais même pas ce que je te demande. C'est pas ton... Elle me rare en plus. Je te ramène dans ton logement, toi. Allez, tu viens avec moi, vu que tu veux faire ton intéressante. Je vais te foutre dans ton logement, comme ça tu vas plus me faire chier. Allez, tu rentres chez toi. Putain, et dire que ça on te le donne gratos et que tu te plains, je vais plus te voir jusqu'à demain. J'en ai rien à foutre que tu bouffes pas ce soir. T'as dit quoi? Elle bouffe son gel douche, mais elle est conne, elle. Hein. Tu me dégoûtes. Je suis trop contente ce soir à fêter l'anniversaire de la petite que j'avais pas oublié. On va pouvoir inviter tous nos amis, faire la fête, etc. Parce que là, j'en ai vraiment trop besoin. Là, j'ai passé la pire journée de ma vie. Ah, t'as capté, là, c'est l'anniversaire de la petite. On fait les choses en grand et tout. Mais moi, ça me saoule, j'aime pas trop ça. J'ai juste envie de jouer à la console. Pff, l'anniversaire... Bon, c'est un anniversaire, il y en a tous les ans, quoi, t'as capté. Thank you à tous d'être venus ici pour l'anniversaire de... Chicago. Cette année, avec l'achat de la villa, on n'avait pas trop d'argent. Du coup, on n'a pas pu lui faire trop de cadeaux. Et j'espère que vous avez pensé à lui ramener beaucoup de choses. Si vous êtes content de retrouver Chicago, bah, vous pouvez vous la passer entre vous. C'est mon première. Bon, bah voilà, t'as capté, c'est l'heure des cadeaux, hein. On va les ouvrir, merci à tous. Des boucles d'oreilles en or. Merci, hein. Ah, vous êtes trop sympa, ça va faire trop bien avec ma robe rouge. Non, mais non. Les AirPods. Ah, voulais, les il AirPods. A perdu les siens. Il a perdu les c'est siens. C'est qui les AirPods? T'es cool. Hyper émotif en ce moment. Merci pour les AirPods. Oh, une écharpe en soie. Ah, mais non. Allez. Dernier. Mais pourquoi vous nous avez offert un jeu pour bébé, t'as capté? Mais c'est pour Chicago. 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 Mais votre fille. Ah, ah mais oui, mais c'est oui, son anniversaire, elle a 4 mois. Mais merci. Oui, merci. Hey, Chicago. Ah, et j'avais pas capté. Chicago, hein. Regarde le jeu. Regarde la tête. Regarde. Pour tu. Franchement, ces soirées-là, c'est dinguerie parce qu'à chaque fois, je me rends compte à quel point j'aime ma femme. Tu vois, t'as capté? C'est un truc de ouf qu'on est clairement fait l'un pour l'autre, t'as capté? Genre, moi, je sais qu'elle m'aime de tout son cœur et que moi, je l'aime de tout son cœur, t'as capté? Mais là, tu vois, à l'heure actuelle de maintenant, je sais pas si je suis heureuse. Tu vois?
Genre j'ai 42 villas, j'ai 53 voitures, 54 parce qu'on en a racheté une hier. Mais je sais pas si ça me rend heureuse. Genre est-ce que j'étais pas mieux avant, dans ma toute petite vie de pauvre, avec un appart tout petit de 100 mètres carrés, ma toute petite piscine de 15 mètres carrés. Est-ce que c'était pas mieux? Tu vois, je me pose la question. Parce que je sais même pas en fait si je l'aime Alain. Je sais pas si je l'aime, tu vois, je sais pas si c'est des sentiments d'amour. Ou si c'est juste parce qu'on a fait la famille, il m'a payé mes seins, il m'a payé mes fesses, il m'a payé mes bouches. Genre le matin, il pue de la gueule sa mère, j'ai envie de le frapper. Mais tu vois, limite, je crois que je le déteste, tu vois, je le haïs au plus profond de moi. Salut mon cœur, salut, ça va bébé. Ah, je t'aime. C'est moi qui t'aime. Moi, je t'aime plus. Je t'aime fort, bébé. Je t'aime fort. Ouais, c'est bon, je le déteste, je le déteste. Bonne nuit, mon bébé. Bah, je pense qu'elle va bien dormir, elle est crevée, il est 6h du mat. Coucou mon bébé. Mais c'est pas possible, enfant, encore. C'est trop bizarre. Tous les matins, je la retrouve au sol. Le soir, je la couche dans son lit et là, elle est au sol. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle se retrouve toujours par terre. Bah, je sais pas. Bah, peut-être faut que je rachète un plus grand lit. Bon, bah, mystère résolu. Attends, tu te fous de ma gueule, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as joué à la console toute la nuit, c'est ça? Oui, bah oui, j'ai passé la nuit à jouer à la console, t'as capté, et alors? Et alors? Non, mais attends, tu te prends pour qui? T'es même pas venu dormir avec moi, t'es même pas venu dormir avec ta femme! J'ai joué toute la nuit, je viens de te dire! Genre, j'ai dû me réveiller pour aller m'occuper d'elle? Tu t'occupes jamais d'elle, toi, tu joues à la console tout le temps, mais t'es sérieux, mais t'as quel âge en fait? J'ai ouvert les volets ce matin! Quoi, j'ai ouvert les volets? Mais je vais t'ouvrir la gueule, moi! Vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'embrouiller là, t'as capté, laisse-moi jouer là! Mais t'es un homme ou t'es pas un homme? Je me suis marié avec quoi, un ado? Moi, si j'aurais voulu un ado, j'aurais été dans une cour de récré et j'en aurais choisi un, ok? Franchement, moi, j'adore les jeux vidéo, t'as capté. Toi aussi? Je te préviens, arrête de m'insulter, ça va partir en dinguerie, je te le dis. T'es sérieuse, toi? Putain, mais la petite! Toi, tu me lances le bébé! T'es sérieuse, là, de me lancer le bébé comme ça, là? Mais t'es malade ou quoi, toi? T'es dinguerie, t'as capté? T'es sérieuse? Joue à la console tranquille, tu viens m'emmerder, t'es sérieuse? Mais justement, c'est ça le problème, tu joues à la console! C'est ce que je veux, mais t'es malade ou quoi? C'est quoi? J'arrête tout, là, j'arrête l'émission, j'arrête tout, vous coupez, vous! Vous coupez, j'arrête, j'en ai marre! T'arrêtes tout! J'arrête tout! Hé! Si tu veux tout arrêter, t'as capté, t'auras plus rien! La villa, l'argent, la famille, tout ça, t'as plus rien! Hein. T'es plus célèbre, t'as plus rien! T'as capté ça, les dingueries? J'ai décidé de ma propre initiative de continuer l'émission parce que je suis une mère responsable et j'aime ma famille. C'est bon, c'est fini, je peux aller à la piscine.